Bienvenue sur la chaîne For You. Vidéo de aujourd'hui, 10 choses que vous devriez faire chaque jour pour rester en bonne santé. Habitudes quotidiennes qui n'ont besoin que d'une minute pour vous donner un mode de vie sain. Bienvenue sur la chaîne For You. Une tasse de thé ne suffit pas pour devenir une habitude matinale, il y a des choses saines dont vous devez prendre soin tous les jours. Répétez une grande partie de ce qui doit être fait pour rester en bonne santé, comme les tâches et les comportements ménagers, un sommeil bon et adéquat, une alimentation saine et l'exercice, peut-être inapproprié pour certaines personnes car cela entre en conflit avec leurs conditions de travail, leur temps ou leur mode de vie, ce qui peut leur causer de la frustration ou se retourner contre eux. Ici, nous allons examiner certaines pratiques qui peuvent favoriser la santé et qui n'ont pas besoin de plus d'une minute ou moins pour les faire quotidiennement. De l'eau immédiatement après le réveil et des protéines au petit déjeuner. Le docteur Will Polisvich, professeur de gastro-entérologie et auteur de FIB et Nutrition, vous conseille de boire un grand verre d'eau dès que vous vous réveillez le matin, pour compenser la déshydratation pendant le sommeil, car l'eau est efficace pour faire fonctionner votre cerveau, vos reins et vos intestins plus rapidement, et elle peut vous alerter davantage. Que votre petit déjeuner soit composé de yogourt ou d'avoine, ajoutez des protéines, car en manger le matin, aide à maintenir la glycémie stable et à contrôler la faim, l'énergie et l'humeur tout au long de la journée. C'est ce qu'explique De Cyré Nielsen, nutritionniste et auteur de « All Plan More ». Essayez des alternatives d'entraînement complet. Asseyez-vous une minute sur une chaise. Gardez le dos droit et les pieds sur le sol. Ensuite, tenez-vous droit, puis asseyez-vous, répétez la position debout et asseyez-vous 10 fois aussi vite que possible pour mesurer votre condition physique. Une étude a révélé que les personnes qui ont pris plus de 26 secondes pour le faire, ou qui n'ont pas pu le terminer, avait un risque accru de décès prématuré. Payez au moins une minute par jour, assez longtemps pour obtenir une santé osseuse 4% plus forte, selon une étude publiée dans l'International Journal of Epidemiology. Faites un squat, 3 fois en 10 répétitions, pendant une minute, pour renforcer vos jambes et augmenter le flux sanguin dans le corps. Selon l'entraîneur certifié docteur Alex Robles. Montez les escaliers rapidement pendant une minute par jour, 60 degrés, en 20 secondes, 3 fois, car une étude indique que faire cela pendant 6 semaines augmente la forme cardiaque d'environ 5%. Ajoutez les haricots et traitez les glucides. Vous pouvez ajouter une demi-tasse de haricots et de légumes en conserve, après rinçage, à n'importe quel aliment pour le déjeuner ou le dîner tous les jours. Selon la nutritionniste Tamara Docker Freeman, auteure de The Swollen Belly Whisperer, qui affirme que manger des haricots ou des légumineuses tous les jours est le facteur nutritionnel commun chez les personnes qui vivent plus longtemps et sans maladie. Kelly Top, directrice de la nutrition chez Allway, recommande de saupoudrer un peu d'huile d'olive ou de vinaigre avant de manger des aliments riches en glucides, comme le pain, les pâtes ou les pommes de terre, car cela peut réduire l'effet des glucides sur la glycémie et conserver notre énergie. Arrêtez-vous au milieu d'un repas. Lorsque vous vous asseyez pour manger, divisez-le en deux avant de commencer à manger,
Selon les conseils du docteur Michel May, auteur de « All You Love, Love What You Eat », qui compare cette division à une bosse imaginaire, afin de ralentir l'alimentation, de reprendre son souffle et de s'arrêter avant d'être trop rassasié. Préparez une collation. Pour augmenter votre apport en fibres, vitamines, minéraux et composés phytochimiques anti-inflammatoires, qui favorisent une meilleure digestion, la santé de la peau et la stabilité de la glycémie. Réservez une minute chaque matin, ou avant de vous coucher, pour couper un fruit ou un légume qui sera une collation qui vous soutient pendant la journée. Selon les recherches, l'ajout de fruits et légumes frais peut vous stimuler et améliorer votre humeur. Brossez-vous les dents. Réservez 30 secondes pour utiliser du fil dentaire afin de débarrasser vos dents des bactéries latentes où les débris alimentaires s'accumulent, causant de nombreux problèmes de santé, et 30 secondes supplémentaires pour vous rincer la bouche avec une lotion, conseille le docteur Sargon Lazaroff, dentiste à Los Angeles. Il préfère le faire avant de se coucher, car, lorsque vous dormez, votre bouche est plus sèche, ce qui permet aux bactéries de se gâter, mais le rince-bouche peut aider à atténuer les effets nocifs. Gardez votre peau sèche et séchez vos mains. Prenez une minute chaque matin pour appliquer un écran solaire, afin de ne pas avoir de nombreux types de cancers de la peau, selon la Fondation du cancer de la peau. De plus, il ne suffit pas de se laver les mains pendant 20 secondes, mais vous avez besoin de 20 secondes supplémentaires pour vous sécher les mains correctement, explique le docteur Jeffrey D. Klosney, professeur de santé publique à la faculté de médecine de l'Université de Californie. Respirez profondément. Essayez de prendre 2 à 3 respirations profondes, et tout en vous concentrant sur la respiration, pensez à 3 choses qui vont bien pour vous, ou des choses que vous attendez avec impatience dans un avenir proche, puis écrivez-les. Cette méthode peut abaisser votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle et améliorer votre humeur, explique le docteur Glenn R. Fox, de l'Institut des sciences de la performance de l'Université de Californie du Sud. Envoyez un message à votre proche. Prenez quelques secondes pour envoyer un compliment sincère à quelqu'un que vous aimez, c'est un moyen qui peut améliorer l'humeur du destinataire du compliment, et votre humeur aussi. Selon la recherche menée par le docteur Laurie Santos, professeur de psychologie à l'université de Yale. Lumière et chaleur inférieure. Pour améliorer votre santé, tamisez les lumières après le coucher du soleil. Cela stimule la production de l'hormone mélatonine, qui a un effet calmant qui vous fait dormir plus rapidement, explique le docteur W. Christopher Winter, professeur de médecine du sommeil, qui recommande d'abaisser la température de 2 à 3 degrés après le dîner, et de 2 degrés à 3 degrés pendant le sommeil,
à environ 18 degrés Celsius pour un sommeil plus profond, moins de réveil pendant le sommeil.